Alors Françoise, quels légumes est-ce que vous avez mis à l'honneur dans votre recette aujourd'hui ? Alors plusieurs légumes, le céleri évidemment, puisqu'on parle du céleri de la vallée de l'Arnoux, mais aussi les légumes... La vallée de l'Arnoux, c'est en Charente-Maritime. Hein. Charente-Maritime, oui. Alors c'est pour situer, c'est centre-ouest Charente-Maritime. C'est... Allez, pour situer, ça se délimite au nord par Trizac et à côté de Rochefort, au sud par Sainte, d'ailleurs là où la rivière l'Arnoux prend sa source. Oui. Et puis c'est une vallée qui est assez étroite, elle fait 200 mètres de chaque côté de l'Arnoux, donc c'est plutôt tout en longueur. Voilà. Et donc c'est le céleri qui vient de cette vallée ? C'est le céleri qui vient de cette vallée, effectivement. Et puis j'ai mis d'autres légumes, on va en parler tout à l'heure, des légumes anciens. Alors c'est quoi votre recette ? C'est un gratin de légumes anciens. Légumes anciens, tout d'accord. À fait. Alors c'est la saison hein, déjà. Alors c'est la saison du céleri de la vallée de l'Arnoux et du céleri en général, évidemment. Ouais. La saison débute en septembre et puis elle va, les boules de céleri vont être commercialisées au fil des mois. Donc on est en pleine saison actuellement. Et puis la vallée de l'Arnoux, c'est vraiment un endroit où ce céleri rave se plaît parce que en fait c'est un endroit où c'est un bras de mer qui s'est retiré. En laissant donc des sédiments, des alluvions, des matières organiques. Et ça plaît beaucoup au céleri pour pousser. Karine le sait très bien. Et pas qu'au céleri d'ailleurs. Hein. Dans cette vallée, on a les fameuses mogettes de Pont-l'Abbé d'Arnoux. Ah, c'est bon, ça. Bien sûr, ils ont aussi des choux, des artichauts. Ça plaît beaucoup à tous ces légumes. Donc c'est un endroit où le céleri se plaît beaucoup de la vallée de l'Arnoux. C'est très riche. Mais c'est quoi la particularité de ce céleri? Alors ce céleri, il a une... de la vallée de l'Arnoux, il a une particularité, c'est qu'il est et il reste blanc, qu'on le travaille cru ou cuit. Ce qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de céleri qui vont s'oxyder assez facilement. Alors il y a une raison à ça. C'est le terroir, bien sûr. Ce que je viens d'expliquer, ce bras de mer qui a laissé des sédiments, des alluvions, c'est vraiment le terroir toujours, ce terroir en Nouvelle-Aquitaine. Ça joue énormément pour les caractéristiques de ce céleri. C'est vrai qu'on parle souvent du terroir pour les vignes, par exemple. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que les vignes. Non, hein. Pour tous les produits, bien sûr, les légumes. Et ça lui donne aussi une saveur plus douce également à ce céleri. Donc il a cette typicité, effectivement, dans cette vallée. Et c'est une culture qui est ancienne dans cette vallée ? Alors, c'est une culture, le céleri est une culture ancienne, effectivement. Le céleri, l'ancêtre, c'est l'âche des marais, hein, donc qui était une saveur âcre et puis assez acide, enfin... Évidemment, mais là, je vous parle de ça, on remonte à l'Antiquité. On va peut-être passer les époques. On ne va pas faire toute l'histoire, effectivement. Voilà. À la Renaissance, hein, on a commencé à s'y intéresser. Oui, mais c'est vrai que c'est super intéressant de connaître les origines. Et on va dire que c'est milieu du 19e, dans la vallée de l'Arnoux, où on s'est mis, et pas que la vallée de l'Arnoux, mais on s'est mis à apprécier le céleri, apprécier sa saveur, à le cultiver. Et en fait, dans la vallée de l'Arnoux, on a commencé à ce moment-là, mais c'était dans d'autres régions aussi, mais dans des proportions assez restreintes. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que là, sa culture s'est beaucoup développée. Et aujourd'hui, il y a combien de producteurs dans la vallée de l'Arnoux ? Alors aujourd'hui, il y a une dizaine de producteurs qui travaillent sur une quarantaine d'hectares et qui produisent environ 1200 tonnes par an de céleri. Alors, les agriculteurs du céleri de la vallée de l'Arnoux, comme beaucoup d'agriculteurs, sont confrontés aux difficultés. Lorsque certains partent en retraite, eh bien, les jeunes ne reprennent pas toujours, hein, n'est-ce pas Karine ? On sait tout ça parce que ce sont des métiers très difficiles, manuels. Ouais. Donc c'est compliqué. Et puis lié au changement climatique aussi, il y a de plus en plus de difficultés. Justement, hein. vous avez raison Vanessa, parce que cette année notamment, les producteurs de ce céleri de la vallée de l'Arnoux ont souffert, puisque les inondations... Il y a eu la sécheresse avant, les inondations, ce qui a fait qu'ils ont été obligés d'arracher manuellement à la main, alors que sinon ils peuvent arracher avec des machines. Ouais. Cette année, ça s'est fait comme ça. Donc c'est assez difficile et il faut leur rendre hommage comme on peut. Et on va leur rendre hommage avec votre recette. Alors expliquez-nous votre recette. Alors je vous explique cette recette. Donc j'ai mis dans cette recette du céleri, évidemment, céleri rave. J'ai mis des carottes, non seulement pour la couleur, mais aussi pour le goût, qui se marie très bien. Et j'ai mis des panais, les panais de Karine. Karine nous a parlé. Le rutabaga, les topinambours également. Et puis, je les ai émincés assez finement. Et je les ai pré-cuits.
à l'eau bouillante salée. Alors, il vaut mieux les précuire, ces deux. Alors, si vous, c'est mieux pourquoi ? Parce que vous allez réduire votre temps de cuisson au four et vous allez mettre moins de. Il y a de la crème, il faut une matière un petit peu pour les cuire. Vous pouvez mettre du lait, hein. Moi j'ai mis de la crème. Mais donc, il faut. Ça permet de réduire un petit peu la quantité de crème. Et l'idéal serait de les précuire séparément parce que vous avez des légumes comme les carottes, comme le rutabaga qui vont mettre un petit peu plus de temps. Alors, si vous faites ça, vous émincez plus finement les légumes qui cuisent plus longtemps. Si on veut tout cuire ensemble. Si vous voulez tout cuire ensemble, c'est mieux. Et puis, également, alors Karine en parlait tout à l'heure, il y a des légumes comme, c'est vrai, les pommes de terre, mais aussi les topinambours, qui peuvent, s'ils attendent, si vous commencez à les émincer eux, ils vont attendre et ils peuvent noircir. Alors, dans ce cas-là, faites-les en dernier, ou alors vous les mettez dans de l'eau et plutôt citronné. Hein, voilà, on fait comme ça. Ensuite, on va simplement mélanger de la crème, du sel. Moi, j'ai mis de la noix muscade et puis j'ai mis du piment d'Espelette. Mais là, c'est une proposition. Vous mettez les... Vous mettez les épices que vous voulez. Un peu de gingembre, ça peut être... Alors, ça peut être une option, justement. J'en ai pas mis, là. Mais vous allez monter votre moule à souffler en le beurrant et vous allez mettre par couche vos légumes. Vous allez parsemer un petit peu de fromage râpé, du comté, du gruyère, ce que vous voulez. Et puis un petit peu de votre crème que vous avez mélangée. Et vous continuez vos couches de légumes en tassant bien. Vous tassez entre chaque couche. Et puis, vous recommencez. Et la dernière couche de légumes, vous allez parsemer, vous allez finir votre crème, la verser, et parsemer de votre fromage, et vous allez mettre au four à 230 pendant 25-30 minutes. Et le résultat est vraiment parfait. Je ne sais pas si vous en pensez, les filles. Fondant, ça a du goût. Et puis vous le servez directement à la sortie du four avec une cuillère, bien sûr, comme j'ai fait là. Merci, ça touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, Françoise. Merci.